Et bonjour bande de ripailleurs. Bonjour bande de ripailleuses. Bonjour Olivier. Bonjour Alain. Ça va bien aujourd'hui? Ça va. Bon bah on se retrouve pour une nouvelle dégustation, tous les deux, en mode confinement. Donc on n'est pas dans le local de la ripailleuse, ça résonne peut-être un peu, voilà on est chez moi. Et Olivier est venu habiter un petit peu avec moi du coup en ce moment, donc c'est pas évident, ensemble. On confine ensemble, mais du coup on brasse ensemble comme d'habitude et ça c'est cool. Alors, on va déguster une nouvelle bière. Si vous avez suivi un peu nos activités, c'est la Black Pearl. Black Pearl, comme les pirates. Alors, pourquoi la Black Pearl? Eh ben, tout simplement, parce qu'on a Black Pearl, les pirates, et Pearl, parce qu'on a utilisé du houblon qui s'appelle... Perle. Perle. Je ne connais plus rien, ma parole. Ouais, c'est le confinement, ça me réussit pas. Et ouais, et donc houblon Perle, notre propre houblon de notre culture, voilà, qui pousse chez toi d'ailleurs. Absolument. Voilà, il y en a pas mal. Oui. Et du coup, on en a pu en mettre vraiment beaucoup, beaucoup sur cette bière. Particularité, c'est qu'on a utilisé, on a fait un dry hopping. Donc, on a mis du houblon à froid en phase de fermentation dans la Dame Jeanne. Absolument. Pour donner beaucoup d'arômes à cette bière. Absolument. Avant de l'ouvrir, quoi dire de plus? C'est une bière très très sombre, on est parti sur du malt chocolat, donc voilà, qui va donner une bière très très noire. On est donc sur un EBC, la couleur à 72, donc bien noire, et en amertume, on va être un petit peu amer, on est à 40 en IBU. Absolument, alors je n'aurais pas dit mieux. Et en taux d'alcool, comme tu le sais, on est à... 5,5. Bravo, on va procéder au pop, attention. On dit pas le concours d'abord? Ah oui, résultat du concours, c'est vrai! Il oublie tout, Stalin! Roulement de tambour! Paul Bataille! C'est bien, c'est bien, bonne mémoire! Merci! Paul Bataille, bravo, tu as remporté une bière! Félicitations! Donc, on espère qu'elle soit bonne! Ouais, tu viendras la chercher au local de la ripailleuse si elle est bonne. Si elle est pas bonne, tu peux quand même venir la chercher au local de la ripailleuse. Ouais. Si tu habites trop loin, tu nous envoies MP, on t'envoie des goodies. Maintenant, j'ouvre la bouteille. Le pop est beau! Effectivement! Elle est bien sombre! Belle mousse, venue un vrai connaisseur. Ben oui, depuis le temps que tu brasses, c'est normal. C'est ça. Alors ça, c'est cool, parce que moi, j'aime bien quand il y a de la mousse. Notre dernière bière, elle était très très pétillante, mais la tenue de mousse, un peu moins. Là, elle se tient beaucoup mieux, pour une raison toute simple, j'en ai pas parlé. On a du malt d'avoine dans celle-là. Et ça aide à la tenue de mousse. Elles Alors on goûte, et après, on discute. Allez, campagne. Campagne. Je crois qu'on peut dire que c'est une réussite. On ne dit pas aussi vite d'habitude. Ah, excuse-moi, mais je suis perturbée. Vas-y, tes impressions, Olivier, s'il te plaît. Alors, mes impressions, comme je suis un véritable connaisseur en la matière, elle est super bonne. Elle sent très très fort le houblon, je trouve. Elle sent vraiment vraiment le houblon. Oui, alors à l'odeur, on retrouve complètement le houblon perle, ça c'est sûr et certain. Elle est amère, mais pas tant que ça, finalement. Moi qui, finalement... C'est une amertume, mais qui reste pas, ouais, qui reste pas en bouche. Par contre, il y a quelque chose qui arrache le palais, je trouve. Je sais pas si t'as... Elle est un peu au goût de café ou... C'est exactement ça. Café, alors ouais. Ça, c'est le malt chocolat. Alors avec la dose qu'on a mis et le perle, là, moi, c'est une note de café, mais vraiment café froid, café frappé qui exactement. Ressort. Elle est super bonne. Elle manque un peu de fraîcheur, on l'a pas mis au frais trop longtemps, mais vraiment, elle a un goût de café très très prononcé, elle est vraiment très très bonne. Elle est vraiment excellente. Et la mousse se tient bien. Ouais. On a encore de la mousse. Très sombre. Ouais, et puis elle tient... Je sais pas, elle a une belle robe. On peut dire... Oh, oui, je pense qu'elle a une Elle a une belle robe. Elle a une belle robe. Et ben, Paul Bataille, bravo, tu as gagné. Olivier, succès. Alors, succès. Bravo. On a vraiment bien brassé, je trouve. À vôtre, les ripailleurs. À la vôtre. Bravo.